Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, continuons l'aventure du jeu Chernobylite live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ok. Je pense qu'on peut pas faire de construction. Je pense que la construction c'est le soir. Y'a quelqu'un, répondez à la putain de radio, bande de bâtards. C'est super important, bordel. Allez, là, me laissez pas pinailler comme ça, un con. Qui est-ce? Mais t'es complètement con, quoi. C'est ton putain de proprio, truc. D'ailleurs, il te plaît bien ton séjour, monsieur Kiminiak? Mikael, je suis occupé, là. Ravi d'entendre que mon shit... Moi, te plaît. J'espère que tu le seras aussi immaculé que tu as trouvé en arrivant. Bon, maintenant, parlons business. Anton et Elvis sont dans le coin. Anton, il a été tué. Ah merde, ça fait chier. Il était vraiment sympa comme mec. Peut-être un peu trop gentil même. Ouais, je parierais ma dernière cigarette que c'est ce qui l'a tué. Ça sûrement pas, non. Qu'est-ce que tu veux, Mikael? Je vais avoir besoin que tu me rendes l'appareil, que tu me files un coup de main pour effacer tout le... Et avant que tu te mettes à gueuler, je sais que t'es pas du genre de scientifique, donc je te guiderai pendant tout le processus. Cela pourrait m'être utile dans tous les cas, j'ai besoin d'alliés. Je dois profiter de toutes les propositions qui s'offrent à moi pour nuire au narc. Ok, je marche. Ça c'est mon poulain. Va au bâtiment dans le complexe du gars, je te recontacterai là. J'ai surpris ta conversation avec Mikael. Je te dis pas que tu comptes vraiment le faire. Mikael est un peu à côté de la plaque, mais il a raison concernant le NAR. Ça pourrait nous faire gagner du temps. On dirait un sociopathe. Tu lui fais confiance? Non, mais ça ne veut pas dire autant que je ne vais pas faire affaire avec lui. On a seulement besoin de lui. Pour son entrepôt, pour l'instant, il représente plus un frein qu'un atout. D'un côté, tu pourrais bien découvrir quelque chose d'important, je ne sais pas. Non, c'est trop risqué. Tu ferais mieux de l'ignorer. Je pense que je vais accepter cette mission et voir comment ça se déroule. Je te déconseille fortement de faire ça. Je sais très bien de quel genre de personne c'est. Je suis fier de parier qu'il mange des céréales avec des coke au déjeuner. Merci pour ces paroles empreintes de sagesse, me remettant ces conversations plus tard. La zone d'exclusion évolue sous l'influence de vos décisions et de vos progrès. Si vous voyez plus d'hélicoptères dans le ciel, de patrouilles du Nord sur le terrain, préparez-vous à mieux au combat. Vous croiserez certainement plus de soldats très bien équipés au cours de votre mission. Si vous voyez plus de Tchernobylites autour de la centrale, vous rencontrez davantage de monstres plus puissants. Le passage du temps affecte également la zone d'exclusion. Elle devient de plus en plus radioactive. Et la quantité croissante de particules de Tchernobylite dans l'air augmente de fréquence. Des tempêtes de Tchernobylite construisent des machines spéciales dans la zone pour contrecarrer ces forces de la nature ou même les inverser complètement. Turbo Wind Québec!
Pas la peine de voir ce jeu-là. Bon, caisse de médicaments. J'ai de la nourriture que je veux. Ah, ça, je vais le faire moi-même. Il reste 2 jours, par exemple. Largage de nourriture. Ça, je vais aller le faire. 80% largage de médicaments. Médicaments. Tu peux le tester, y a un essai, t'as le droit de l'essayer. Commencer la mission. Voulez-vous vraiment commencer la mission? Pourquoi 46%? Ah, le sort de Prime, c'est moi qui le fais, ça. Qu'est-ce que t'as fait de bon hier soir? Sure. Dans moins d'une heure. Sound the Priot. Bon, là j'ai besoin de la nourriture. Dans ici, là. Tu vois, la mission principale, c'est le carré avec une espèce de target dedans. Là, toi, tu l'as en ligne pour aller. Mais là, il y a d'autres choses. Il y a des points d'interrogation. Ça peut être du stock important. Fait, le but, là, c'est vraiment de la survie. Trouver de la nourriture, des médicaments. Sauver ton moral. Là, je vais aller voir. Là, je suis allé. Y a-t-il quelque chose de plus proche? Il y a 80. On va aller voir par là, tiens. Ah, puis aussi, quand. Là, j'ai pas la machine dans mes mains. Je vais la mettre dans mes mains. Bon. J'ai scanné, puis j'ai rien trouvé. Il y a plein de choses dans la nature. Là, tu vois qu'il y a du vert. On va pas là-dedans. Là-dedans, il y a sûrement quelque chose. Ah, c'est un monsieur. Il y a de l'essence. Enfin, je vais parler à lui. Hey, salut. Hey, toi, c'est toi que je parle, fiston. Je peux t'aider? Je suis à la recherche d'une caisse. Faudrait qu'elle soit bien grande et en acier si possible. Ouais, en acier de première qualité. T'en aurais pas vu une par hasard? Et comment t'appelles-tu? Quoi? Parle plus fort, petit. J'ai dit, comment t'appelles-tu? Arrête de crier, je m'appelle Semyon Kerr. Je suis un chasseur en mission. Et qu'est-ce que tu chasses, les ombres ou le nord? Quoi? Parle plus fort, gamin. J'entends plus grand-chose depuis la bataille de Kursk. On a explosé ces putains de nazis littéralement et pourtant ils continuent de répliquer, ça me trouve le cul. Je dois capturer un espion nazi pour apprendre leurs secrets. C'est la clé pour prendre Berlin. Les choses ont changé, tu sais, tu n'as plus besoin de prendre Berlin, tu peux simplement la visiter, faire un peu de tourisme. Quoi? Tu peux, peu importe. Je savais que l'idée de plaire à ce temps. Bref, j'ai besoin de munitions, il faut que je te prépare. J'ai quelque chose, produits chimiques et de Camelot à t'échanger si ça t'intéresse. Non, ce sera tout. Ça m'intéresse pas d'échanger rien, merci quand même, par exemple. Oh, il y a quelque chose là. Ah, il faut le crocheter, puis je peux pas crocheter encore, je peux pas faire des crochets. Bon. Ça dit qu'il y a quelque chose à 4 mètres, à 3 mètres, à 2 mètres, à 1 mètre. Ça devrait être lui, ça. Donc ça, c'est lui, OK.
Ah, les points d'interrogation, c'est peut-être des personnes, finalement. Ouais, j'avoue, c'est bien fait. Chose de jaune là. Ah, j'ai pas vu. Tiens. Il y a là aussi. Ah, des champignons, j'en ai besoin en plus. Bah. Je sais pas si c'est mauvais de passer devant les autres. Bon, prendre. Prendre. Hey, j'ai tout pris? Ok. D'un lieu non découvert. Ça a l'air bien fait. Ou des lieux. Ben, ouais, ça se peut, c'est des lieux non découverts aussi, ouais. Peut-être. Shit. Oh, c'est qui, toi? Je peux pas parler tout de suite. Pourquoi je peux pas te parler? Vous ne pouvez pas faire ceci lorsque vous êtes en danger, ok? Je vais attendre, ça va décoller. Là. Il va y avoir des mutants éventuellement, ouais. Oh, le gars, il était pas loin d'ici. Bon, je peux-tu te parler, là? Bon, là, je peux. Un nouveau client respectable. Vous êtes prêt à faire les affaires de votre vie? Vous n'avez pas peur de faire du commerce ici? Ben, je sais que je le fais, de mon bon monsieur. Je suis marchand depuis la chute de l'Union soviétique. Et puis la fortune sourit aux audacieux, comme on dit. Vous semblez avoir beaucoup voyagé. Le bazar de Téhéran, le Jarmak européen, Varsovie, la place Tarsim d'Istanbul. J'ai vu de nombreux endroits, mon ami. J'ai vu des choses incroyables. Je m'en doute pas, mais je dois vous poser une question. Comment une ville désormais comme Pripyat peut-elle être comparable à toutes ces villes? Et je propose mes offres partout où il y a de la demande. C'est moi, la main visible du libre-marché. J'ai même le numéro de Gates, de Poutine et de Trump. Au numéro de station rapide, vraiment. Et celui de Steve Jobs, alors? Quoi? Mais oui, évidemment que je l'ai. Bien sûr, il est mort. Et bref, l'argent fait tourner le monde, tout comme le truc. Un petit échange, ça vous intéresse? Échanger de nourriture. Échanger de l'équipement contre de la nourriture. Vous achetez la marchandise aussi? Bien sûr, je suis justement à la recherche de nouveaux produits. Qu'est-ce que tu cherches? Obtenir 4 rations de nourriture quand un armure tactique, rudimentaire, un masque à gorge, quitté. Je suis à la recherche de quelqu'un. Vous avez peut-être déjà entendu son nom. Tatiana Amelieva. Ça vous dit quelque chose? Elle travaillait à la centrale. Mais elle a disparu il y a 30 ans. Je suis désolé, mon ami, mais cela fait bien longtemps que je n'ai pas vu aucune femme. Je suis bien trop occupé.
Occupé, mais par quoi? Avec de nouveaux mondes d'opportunités, bien sûr, je suis un peu comme Gordon Gekko, vous savez, enfin, en plus intelligent. Et comme Jack Ma aussi, mais un peu plus bosseur, je vais bâtir mon empire commercial sur les cendres de Tchernobyl. En rien de temps, bonne chance. Bonne chance de bâtir votre fortune, monsieur invisible, les mains invisibles. Merci, je compte bien provoquer comme d'habitude. Votre troupe. Fortnite. Je vais aller en faire, je reviendrai après parce qu'en vrai c'est. Il est peut-être au-dessus de moi, c'est pour ça. What a stench! Why do the eggheads need dead animals anyway? Probably for some kind of tests, I don't know. Fucking hell! Stop complaining! It beats transporting human cadavers, doesn't it? Ah, de te plaindre, vaut mieux. Les cadavres, quels cadavres? T'es pas au courant? Au courant de quoi? Sérieux, hein? Laisse tomber, oublie ça, je t'ai dit, ça vaut mieux.
Ou je tue moins de gens. Connais-toi, tu ouvrir des tombes pour trouver des femmes dont tu tomberas amoureux, Igor? Dois-tu ouvrir des tombes pour trouver des femmes dont tu tomberas amoureux, Igor? Entends l'appel du vide. Entends l'appel du vide. Répète les mots sortant de mes lèvres décharnées. Répète les mots coming from my dead lips. And Marana. Marana Demius Navis Cranistus. En Marana Dominos Navacranatus. Crudax Cruo. Crudax Cruo. Crudax Cruo. Stop grasping. Cesse de comprendre ce qui ne peut être compris. Stop grasping what cannot be grasped. Forget about her. Oublie-la. Forget about her. Dig deeper. Fais plus profondément, la souffrance sera la seule chose que tu trouveras. Dig deeper, and pain is all you're going to find. That which is not. N'est pas mort ce qui jamais dort. That which can eternally die. Et au cours des siècles peut mourir même l'amour. Even love may die. That which is not dead, that which can eternally lie, and with strange eons even love may die. Do you have open graves to find girls to fall in love with, Igor? Do you have to open graves to find girls to fall in love with, Igor? Heed the call from the void. Heed the call from the void. C'est tiré. Escape from a loony bin or something? No, from an orphanage. But that was a long time ago. I'm just looking for my brother. I don't want any trouble. Not so fast. And this whole business with ghosts, huh? Running around, scaring people. Manga Bushka told me it's bad luck to fuck with things like that. But it's the truth. Me and my brother Athanasius, we see ghosts. They talk to us. Sometimes they tell us the future. Let's go! You really are trying to take the power, aren't you? What do you think, Kenya? Should we pop it now or rough him
Listen, you little shit. Your brother's not in our base, okay? Doing here, huh? I think I saw something. Sir. Got
Si t'as acheté au dépanneur. Quoi pour vous ramener? Une coupe de Red Bull? Monster, whatever? Dans le Stalker Sinistre travaille à la centrale, il semble connaître l'intégré, mais quel rôle mon vieux mentor Semenov joue-t-il dans tout cela? C'était censé être un complexe haussement sécurisé et bien protégé. Pourtant, il semble qu'une petite bande de mercenaires désordonnés était capable de pénétrer sans trop de problèmes. Comment est-ce possible? Quand vous êtes arrivé, il était trop tard, même avec vos capacités spéciales et fait que vous ayez passé presque toute votre vie à travailler là-bas. Pouvez-vous expliquer cela? Surveillez votre temps, Georgie. Vous savez très bien que je suis occupé par mon propre travail. Ce n'est pas mon travail de faire du babysitting avec Kozlov et ses abrutis de soldats. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Très bien. Dès que j'ai eu vent de brèche dans le complexe, j'ai affronté 3 intrus qui semblaient avoir réussi. Semblaient avoir réussi à infiltrer la chambre principale du réacteur numéro 4. Imaginez ma surprise quand j'ai découvert qu'il était parmi eux. Vous savez de qui je parle, n'est-ce pas? J'ai éliminé un de ses spires. Mais il a réussi à s'enfuir avec son autre ami à travers d'un trou vert, en utilisant une sorte d'appareil sur mesure alimenté par des cristaux de tchernobylite. Remarquable, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, il a mon attention maintenant. Je vais m'en occuper personnellement. Une chose est sûre, la sécurité dans cet endroit n'est qu'une vaste blague et doit être améliorée immédiatement. Quand centrez-vous là-dessus, je vous avise plus tard. Je peux pas le tuer, mais quand tu trop demandes, toi tu les taches verts, là, ça nuit à mon moral, ça. Et le moral, c'est pas bon quand il est trop à bas. Je peux pas aller par là. Et là, j'ai déjà été là. Il y a un point d'interrogation à 33. Il y a eu tabarnak. Je suis en bas, sti. Ah, c'est qu'il y a un gars là, j'ai pas envie de le tuer encore. À moins qu'il est parti.
pas concentré. Ah, c'est le serrurier! Ah, on dirait que vous en sortez bien tout seul. Est-ce qu'ils sont morts? Les gardes? Non, j'aurais dû les éliminer, mais ça n'était pas nécessaire. Heureusement, cela aurait été très mauvais pour votre karma. Vous êtes un sage ou un truc du genre? Un sage? Non, je suis un voleur, un expert en crochetage. Cependant, j'ai le pressentiment de savoir où se trouve Anastasius, mais cela risque de ne pas vous plaire. Laissez-moi deviner, vous pensez qu'il est dans la prison du Nord? Exactement. Je dois réfléchir à un moyen d'agir. Je vais voir ce que je peux faire. Mais pendant ce temps, pourriez-vous m'informer si vous découvrez quoi que ce soit sur Anastasius? Bien sûr, sois prudent. Et je ne vais pas surprendre par le Nord cette fois-ci. Merci. C'est lui qui vend des affaires de crostage. Je peux pas y parler, va. Il a-tu tué? Ben, gars, je peux rien avoir tout de suite. Il veut rien me donner. Ah. Stuff sit. Bon, il reste un point là à 41. Je sais pas si... Peut-être faut que je reste en bas. Ah, tabarnak, ça en là. J'irai pas là tout de suite. Laisse faire ça. On va aller faire la mission principale. Oh, fuck! Oui, fuck! Si. J'ai quasiment pas d'art. Le niaisage me fait tuer, là. Ah, ça aide. Excellent! Excellent. Là, je me suis jeté où, là? On dirait que je suis pris. Il y en a qui m'a vu. J'ai fait une bonne récolte. Alors, toi-tu, regarde, je veux un crochetage, j'en ai pas. Il y a du stuff là-dedans, des fois, qui est important. Mais tu peux en créer, là. Faut que je fasse la machine. Je vais te faire un peu de lecture pour voir. Alors, des jeux comme ça, des fois, c'est complexe, puis tu fais des erreurs. J'ai pensé que je vais faire un peu de lecture. J'ai pas appris beaucoup, beaucoup, mais au moins un peu. Quoi, je sais pas que c'était. Mais... Champignons, j'aurais aimé en avoir plus. Wouh! Là, il y a des affaires là, mais là, il faut du feu pour avoir ça. Bon, à 130. Ça, c'est la mission principale, mais secondaire, pour avoir du manger, parce que c'est important d'avoir du manger. La prochaine mission, je vais avoir un nouvel acolyte avec moi. Ah, tiens, ici, je peux faire du stuff. Ça, c'est moi qui ai mis ça ici. Bon, pour la santé, il faudrait du moral. Ça, je peux-tu en faire? Excellent.
Morale a bien augmenté. Vous avez atteint un nouveau niveau. Vous avez 2 points. Là, avec les 2 points, ça, je peux me faire des compétences. Là, j'ai pas assez de champignons. Fait, je peux pas. Ça, c'est pour la radiation. Je vais en faire une. Tiens. Ah, j'ai pas besoin. Il me la fait pas manger pour rien. J'ai essayé de la prendre, puis. Non. Il faut être dans une chute à radiation. Oh, du propane? Ah! Oh. L'essence. Là. Toi, tu sers à... Ah, ça, c'est pour faire des armures. Comme ces machines-là, je les ai faites là, mais j'aurais pas dû les faire. Là, je peux-tu les... Je peux pas les déconstruire. Ben, ils peuvent tout en servir. Comme là, ils m'ont servi. Là, ça fait... Tu vois, il y a quand même des points d'interrogation à 200 chèques. Il y a 2 points d'interrogation, mais il y a du monde. Faut que je pourrais les tuer. Quand là, qui est 42. Ouais, avant que j'ai fini la mission principale, qui a 84. Oh, là. Oh, des champignons! Crème des champignons, j'allais m'en faire un autre si je peux. Non, il faudrait un autre champignon. Ah, c'est juste ça. Tiens! Je m'en attendais pas. Je pensais pas qu'il y avait tout ça là, tabarnak. J'aurais dû le savoir. Je peux pas parce qu'il y a des mines tirs, je vais me cacher. J'attends une minute 20, peut-être ça va venir me se relax. Il faudrait changer le bouton pour la lumière. Je pourrais changer le B puis le joystick. Je passe tout le temps le joystick pour me baisser, puis c'est pas ça, c'est B pour se baisser. J'ai ça. J'ai compris. Sors de là! Champignons, merci. Je m'en vais de là, je reviens. T'es en train de courir derrière moi ou quoi?
mêlée. Oh shit! J'étais dans de la radiation là. Prends ton gun pis tu sors au pied, ça. Attends. Ah, j'ai pas assez d'herbe pour me faire ça, j'aurais aimé ça me pouvoir faire... Et la mission est terminée. Santé, station, mission, largement de munitions, feuille rouge, largage de nourriture dans le centre du... Bon, OK. Le moral du gars va diminuer largement car il n'a pas de nourriture pour lui. Oh, et je vais t'en donner de la nourriture, relax. Bon, ça, ça. Il va nous rester 5.5. Tu vois, j'en garde parce qu'on va avoir un nouveau. T'as vu qu'il a fait une bonne mission, je pourrais donner une double ration. Mais moi, je veux pas. Si moi, je me donne une double, je vais rester là, là. Parce qu'on va avoir une troisième personne. On se donne du manger. Bon, ça, c'est fini. Igor, the gun I gave you is traveling all around the world. Que je t'ai donné a fait le tour du monde avec moi. Alors, si tu imagines bien qu'il n'est pas jeune, que dirais-tu de fabriquer un outil de calibrage? Améliorer votre arme est un outil. Éventuellement, il paraît une bonne idée. Je fabriquerai un dès que j'ai l'occasion. Merci. Tu en as besoin, Igor. Tu en as besoin. This revolver needs an overhaul. C'est un revolver. Carré, je t'en prie. S'entraîner. You could find some time to teach me some of your... No, but I'll be... 2 points pour la discrétion. Étonnant. 2 points de compétence. Les éliminations se font plus discrètement et n'affectent pas le moral d'Igor de façon... Oh, c'est bon ça. S'entraîner, dépenser 2 points. Perfect. Merci. Let's do it. Allons-y. Follow me. Suis-moi. Taking out your enemy requires il faut un cran pour éliminer son ennemi, mais l'éliminer discrètement, c'est tout un art. Selon moi, tu as ce qu'il faut pour le premier cas de fissure. Figure. Notre nouvelle leçon consiste à assommer ton ennemi sans que personne ne remarque, pas même lui. Le secret réside dans la compréhension de l'anatomie humaine et dans la furtivité. Il s'agit donc de savoir comment jauger la force pour mettre ton ennemi hors d'état de nuire sans le tuer. Mettons la théorie en pratique. Approche-toi de moi furtivement et fais une prise d'étranglement. Et ne joue pas le tendre par peur de me blesser. Je suis un professionnel. Ok, mais je peux pas bouger. Let's begin. Commençons, ok.
Okay, Igor, enough. Okay, Igor, ça suffit. C'est impressionnant. Bien joué, soldat. Well done, soldier. C'est juste ça. Bon. You did great, Igor. Tu as fait de l'excellent travail, Igor. Mais souviens-toi, on ne s'entraîne jamais assez. Ce qui permet de ne pas les tuer dans sa nuit, pas mon moral. Bon. Thank you. Donc là, maintenant, on va aller voir ce que je peux construire. Là, ça me tente. J'aurais aimé pouvoir faire une plante. J'ai pas assez d'herbe. Mon moral est pas très bon, mais... Je vais regarder qu'est-ce qu'il faut que je construise. Pour fabriquer des crochets, vous devrez construire un broyeur industriel. Ça, c'est lié à l'eau. Pourquoi j'ai de la misère, là? Tu select? Ah, c'est select. C'est pour ça que j'arrivais pas tantôt. J'avais pas le bon putain. Comment je peux savoir qu'est-ce qui est quoi? Ça, c'est une presse hydraulique. Outil de tôlerie. Four industriel. On va les avoir un, ouais, encore. OK. Les caisses remplies de terre dans lesquelles les... Ça, je peux-tu en faire? Je peux pas. Je peux pas. OK. Quand j'en pogne des ça, là, faut que je les garde. Là. J'essaie d'arrêter de tuer du monde. Bon. Un laboratoire, ça. Quoi d'autre que ça disait que je pouvais construire? Un neutralisateur. Ce n'est pas le meilleur laboratoire du monde, mais toutefois équipé tous les outils nécessaires, distributeur, brûleur, réactif. Les rouleaux permettent de traiter les datés, les matériaux soupe, caoutchouc et les joints. Dans la zone de construction et recyclage n'est pas... Hey, t'es chez le Caribou, prends ta chaise puis regarde-moi! Dougie, bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon ami, ça fait super plaisir de t'en follow, oh yeah! Un broyeur industriel. Ah, je peux pas l'avoir encore. Construis une machine à découper laser pour débloquer cet objet. Ah, OK. Bon, ben déjà là, c'est une... ça, c'est quoi? Comment ça s'appelle, ça? Outil de tôlerie. Elle est où, la machine à laser? La table de travail, machine à découper laser. Bon, ça, je peux le faire. Bon. Gang, ça, c'est le second type structure base. Bon. Okay.
Le broyeur industriel, il est là. Ah. La possibilité de construire un broyeur industriel, vous devez avoir un seul bâtiment, c'est correct, j'ai compris. Station de fabrication. Vous ne pouvez avoir qu'un seul objet de ce type, j'ai compris, ok. Commencez à fabriquer. Ah ah. Et là, je peux! Hey, regarde ça comment j'en ai! J'ai des produits chimiques en masse, j'ai des pièces faites là. On va passer en zéro. Consommation. Et voilà! Et voilà! Et voilà! Une dernière. Et voilà! Bon, là, je vais pouvoir débloquer. Ah non, je vais en faire deux autres. Un autre. Bon. Ok. Là, il faut quelque chose pour faire des armures. Ah non, pas ça. Select. Bon. Ah, c'est vrai, l'affaire pour le moral, là. Faut que je travaille sur le moral, tiens. Une télé. Elle est gratuite, celle-là. Elle est pas gratuite, mais... Je peux en faire. Qu'est-ce qu'il faut? Ça. Ça. Construction disponible, confort, compagnon produit. C'est quoi ça? Une radio, une télévision. Tiens, je vais faire une télévision. En face du lit. Il est où le lit? Ah, une belle TV. Construction disponible, confort du compagnon. C'est quoi ça? Une plante? Poubelle, pas de la chair, mais une poubelle dans le coin, tiens. Une belle plante verte. Oh, wow, 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 je prends pas des champignons pour faire ça, tabarouette. Tout battre la plante verte. Je vais mettre une table. Tiens, une table. Là, j'ai pas assez. Il faut du champ. Il faut de l'herbe, j'ai besoin. Ça, c'est des pièces. Je vais mettre une chaise, par exemple. Tiens. Une chaise. Tu mangeras assis. Puis, je vais mettre une dernière chose. Ben, le confort, je n'y mets assez, je pense. Là, il faudrait check pour. Je vais même vérifier, voir. Un concasseur pour pouvoir le fabriquer, hein. Un concasseur industriel, c'est quoi ça? Si je clique là-dessus, je peux-tu cliquer là-dessus? Non, ok, je peux pas. Je peux pas l'utiliser. Là, je peux-tu l'utiliser? Ouais, ok. Machine à découper, ça, j'ai déjà ça. Presse hydraulique. Un tour électrique. Un outil de calibrage pour revolver. Un outil de calibrage pour fusil de chasse. Un outil de Non, j'en veux pas toutes ces cochonneries-là. Presse hydraulique, hein, construire des pièces détachées, vous permet d'assembler divers types de munitions. Ouais, j'en veux pas de ça tout de suite. Bientôt, mais pas tout de suite. Alimente vos outils en quelque chose de puissant à part. J'attends d'être un aspect grossier et de fournir un peu d'énergie, mais c'est suffisant pour faire fonctionner un appareil de base. Ultra PhD, comment ça va, mon cher ami? Bon.
Dès que j'arrive. Les machines Trigger sophistiquées produisent divers objets utiles. Ah, il est là, bon. Intruse. Le rouleau permet de traiter et dater des matériaux ça, reste clair de... Non. Ça, broyeur industriel, je n'ai déjà un. Le rouleau permet... ah, il a produit des masques à gaz et des fils. Ça, c'est bon, ça. Tiens, c'est... Ah! Bon, ici, t'as un bon masque à gaz. Ah, shit, j'ai plus de champignons. Putain. Bon, mais je pense que j'ai assez. Ça, c'est bon. Pourquoi, ça? Je peux plus rien faire. Comment je peux voir mes stats? Ah là, la santé mentale, la santé morale est pas forte. Alors. Remède qui aide votre corps à éliminer des petites quantités de radiation. J'en ai pas besoin. J'ai 4 filtres. Je vais regarder mon stock vite fait. Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est si tu meurs. Tu peux revivre avec ça. La boisson de prédilection de Stalker redonne le sourire et remonte le moral. Ah! Un peu de moral! Tabarnak! En pleine forme, si je comprends pourquoi à cette heure tu bois turbo! Elle remonte le moral! Ok. Après ça, des munitions de revolver. Oh, que j'ai appuyé là. Ok. En tout cas, des munitions de cartouches de fusil de chasse que j'ai pas. Pourtant, j'en ai 7 balles. Ça, c'est quoi? Des munitions de fusil. Ça, médicaments anti-radiation. J'en ai pas besoin de suite. Consommant, consulter un stat pour plus d'informations. Consulter les stats. Es-tu un piton pour ça? Plaque céramique. Consomme automatiquement quand vous utilisez une armure. Bon. J'ai pas encore d'armure. Ah, c'est vrai, je voudrais checker pour la machine. Bon, ça, c'est bon. Ressources de fabrication, des ressources de fabrication, combustible, la nourriture. Touche pas à ça. Un masque. Nécessite l'utilisation d'un fil pour le masque. Il est là. Les plantes n'est pas assez. Ça, c'est bon, je vais pouvoir ouvrir des salles. Ça, c'est des pièces mécaniques qui est utile. Ça, c'est kit de soins quand je m'ai jeté en bas comme deux fois, comme un con. Métallique, pour les armures aussi. Et des champignons qui est très bon, mais j'en ai pas. Bon. Là, j'aurais besoin... Je vais regarder de nouveau. J'ai besoin de... Ça, c'est un lit. Ça, c'est pas pour... Il est correct, ça, on lit tout de suite. Quand ça, c'est une amélioration de la base. C'est quoi là-dedans? Unité de nettoyage de l'air. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est pas tout de suite, mais je vais en avoir besoin. Si je clique là-dessus, bon. Des outils de menuiserie rudimentaire pour couper. Ça, j'en ai-tu un, ça? Débloque des capacités de construire des structures primitives. Des outils de menuiserie rudimentaire pour couper du bois, visser des objets avec un peu. OK, ça. On sent... des armures, ça, c'est ça. Il manque quoi? Qu'est-ce qu'il... Ah, je pourrais. Ça, des armures, c'est bon, là.
Là, je suis pris, là, la maudite chaise. Je mets une chaise au milieu de la pièce, je me prends dedans. Tiens! Courant insuffisant de bas. Fabriquer un générateur. Ben, je me doutais, là. Hein, gros générateur. Yes, sir. C'est bon, là? Bah. Il manque des herbes. Je peux pas rien me faire. Ah, mais je peux me faire des plaques de métal, mais il me faut quand même... Il me faut plus d'herbes. Il me manque du matériel. Qu'est-ce qui me manquait tantôt là, pour me faire des plantes là? Ce qu'il me faut là, c'est. Non, pas toi. Ça, c'est important là. Mais là, s'il me faut de l'herbe et des champignons. Puis là, je pourrais m'auto-suffire. C'est le best. Faut que je fouille pour ça, mais faut pas que je les gaspille. C'est ça que je sais que je peux me faire boire de l'alcool pour mon moral. Je vais arrêter de me gaspiller. Bon. Ça, j'ai fini de te parler. Merci pour l'entraînement. Ultra PSG, t'es là, mon cher ami? Doggy 80, yes sir. Doggy 80, what's up, my friend? Doggy, doggy, doggy style. Whoops. Sorry. Bon. Finir ma journée, je me couche dans le lit. On n'a pas fini. Là, c'est les indices. Puis pour te dire qu'est-ce qui est la mission principale, ça, c'est... il y a 24 missions qu'il va avoir à faire, puis la mission principale, elle est en haut. Lui, il est là pour quoi? Il est là pour trouver sa femme qui a disparu lorsque Tchernobyl a explosé 20 ans passés. Et la mission principale, elle est là. Le plan décrivant chaque étape nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est trouver des gens. Il faut membres de l'équipe rassemblés. Il en faut... J'en ai un sur cinq. Il m'en faut cinq. Il faut des outils acquis. Il m'en manque 5, puis enquête réalisée, 0 sur 4. Donc, quand tu as tout fait ça, là, tu peux faire ta team, ta mission principale, qui est la dernière mission, finalement. Ah oui, principalement, il est là pour trouver sa femme. Fait là, ça, c'est les indices. Un indice sur 7 fait 1 sur 4, des statuts de l'enquête. Voulez-vous vraiment que la journée se termine, aller dormir à votre base et en mauvais état, ce qui diminue le moral? Hey, hey! Je vais de l'améliorer, ma crise de base. Elle est belle, il y a une TV. Je mettrais une radio, par exemple, ce serait le best, là, mais il y a une TV. Sauvegarder le jeu. Donc, c'était tout pour l'aventure du jeu Chernobylite, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!